Salut à tous les amis, c'est MrSX96. On se retrouve pour l'épisode 3 des multigaming. Et aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, ça sera un spécial MOBA. MOBA ou MOBA, comme vous voulez. Donc, c'est les jeux comme League of Legends, etc. Donc, vous avez déjà pu voir sur ma chaîne une fois pour l'instant. Donc, ça veut dire, si je dis pas de bêtises, multiplayer. Online Battle Area ou un truc comme ça, je pense. Et bah, là, on est sur Infinite Crisis. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir, qui était en bêta jusqu'à il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Donc, j'aurais pu vous faire gagner des clés bêta, sauf que bah, le jeu ne marchait pas chez moi. Donc, j'ai préféré pas vous donner ça comme ça sans vous faire une petite vidéo. Donc, voilà, désolé pour ça. Mais je vous mettrai sans hésiter le lien dans la description pour télécharger le jeu. Et on va essayer de se lancer une petite partie. Donc, une petite solo, voilà. Donc, j'ai fait qu'une partie. Pour l'instant, j'ai pas du tout compris. J'ai fait n'importe quoi. C'est un tout petit peu bizarre. Comparé à LoL, je suis complètement perdu. Mais voilà, c'est quand même bien sympa de différencier un peu de LoL. Même si maintenant, je suis sur LoL, je commence à avoir un bon niveau. Acceptable, donc là je suis quand même passé niveau 2 donc en une partie, donc ça monte assez vite. Et bah, c'est comme plus ou moins comme LoL, sauf que ça diffère un tout petit peu. Par exemple, pour ceux qui connaissent les maîtrises, par exemple, sont gagnables après chaque niveau, donc obligatoirement. Ok, donc là le lobby a été annulé. Donc on va juste reprendre dès que ça sera bon. Et voilà, donc on se retrouve sur la page des champions. Donc c'est, comme vous pouvez le constater, des personnages de Marvel. Donc on peut voir Green Lantern, Flash, pardon, le Joker, Cyborg, Miss America, je sais plus comment ça s'appelle lui. Et donc là, dans les gratuits, bah, on a le... On va prendre elle, je sais pas qui c'est, Mecha Wonder Woman. Ouais. Donc parce que j'avais essayé lui mais j'ai pas du tout aimé. Alors pas du tout. Et donc ensuite bon alors qu'est-ce qu'on peut prendre ça c'est un peu les sorts d'invocateur. Ok donc ça c'est fatigue, ça se téléporte. Trois chats. Donc c'est en anglais donc voilà, donc c'est pas un peu plus compliqué à comprendre. C'est nul. C'est nul. Pas un truc genre flash. Donc là il y a une sorte de, vous savez quoi, c'est quoi ça? Ok, donc on va pouvoir améliorer tout ça après et on va mettre ensuite là le bouclier, voilà comme ceci. Et ça j'ai que ça, voilà. Donc c'est les champions de Marvel, si pas de bêtises. Donc voilà, donc lui il a l'air d'avoir déjà joué, lui aussi puisqu'il joue Batman. C'est que je sais pas une costume, donc voilà. Donc c'est un peu pareil que... Ah ok, donc les skills, là, ok, les attaques, c'est un peu pareil. Donc ça doit être la... Le passif, ça, etc. Donc le Q. Donc je connais pas encore tout. Du tout, donc là vous voyez l'écran il est comme bah, presque comme sur LoL, donc ça je trouve pas mal. Donc il y a également pareil, c'est vraiment le même principe de bot, de mid, de top, donc c'est les lanes vraiment pareil. Après je sais pas les logos, je sais pas trop, donc je sais pas, je vais juste faire un petit bout de vidéo, donc dans les je pense 10-15 minutes maximum. Et ensuite, on va passer sur les autres MOBA assez connus. Donc, magnifique intro, je trouve, chaque fois par rapport à notre champion. Donc, tous les quatre autres équipes de notre équipe se mettent à côté. Et ensuite, on arrive en face. Je trouve ça super bien fait comparé aux autres. Donc, là, je sais qu'il faut se caler ici et cliquer là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et ensuite, on prend la première, notre première compétence. Donc, moi, j'ai envie d'aller au mid. Allez, on va aller au mid. Allez, on va venir au mid. Alors, qu'est-ce que ça fait? Mecha Wonder Woman launch 5 glaives in the white spray. Each glaive deal to the first enemy in... Dash.
Okay, Mecha Wonder, Woman Gain. Ok, donc on va prendre peut-être le. Ça. Ok, on va prendre le dash pour l'instant. Donc je disais donc d'autres MOBA, donc les plus connus. Donc on va faire un petit bout de partie sur du League of Legends. Et un autre petit bout de partie sur. En fait, c'est les deux jeux les plus joués au monde sur Dota 2. Pour ceux qui connaissent, voilà. Donc vous saurez par la suite. Donc là, c'est juste un petit test pour vous montrer comment ça marche. Les liens seront tous dans la description, je pense. Enfin, si j'oublie pas. Donc là, c'est vraiment, mais vraiment pareil. Donc là, je pense qu'il doit y avoir un petit jungle ou je sais pas quoi. Catwoman, ils disent Catwoman. Il y a une Catwoman avec nous. C'est Catwoman. Ça va être Catwoman. Ok, donc là, un petit Batman. Donc ça, c'est des persos qui ont été achetés par des gens, donc c'est pas mal. Donc ensuite, vous voyez, First game, so like to try stuff out. Ok, on va dire Me Too. Voilà, c'est pareil. Ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. No cost. Attaque. On va peut-être se mettre sur nous. Voilà. Attaque the target dealing damage. Donc voilà. Après, c'est quoi ça, T? Ok, donc je peux mettre un petit T. Ok, donc c'est une sorte de ward, voilà, donc gratuite. Ça a l'air pas mal. Et je pense qu'il y a aussi donc les sbires, etc., les minions. Ah oui, moi, il faut peut-être chercher du stuff. Non, j'étais quoi en face? Je crois qu'il y a la même mise que moi, donc on va essayer. Ah bah non. C'est pas du tout ce qu'il faut acheter par contre. Hein. Oula, il faudra se battre. Donc je vais peut-être bientôt y aller. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Je sais pas moi. Recommended. On va acheter ça. Boy. Pourquoi je peux pas acheter? Il est où le shop? Ok, donc déjà j'attaque la distance. Par contre j'ai pris cher. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, je peux rien vous dire si je joue mal ou pas. Hein. C'est du live. Ok, donc il faut last hit un peu mieux que ça. Ça a l'air de pas faire très mal. On attaque. Ok, donc lui. Il lance des gros boulets de canon. Ok. Aïe aïe aïe, c'est quoi ce truc? Je n'ai pas du tout. Oula, mais je prends trop cher moi. Aïe. Ok, je comprends rien. C'est un peu dur là. Ok, donc la même touche. On va acheter ça. Et ensuite, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va acheter ça aussi, voilà. On va acheter ça. C'est quoi ça en fait? J'achète ça, mais je sais même pas ce que c'est. Ok, bon. Ça, je peux aller plus haut que ça. Donc, on va peut-être acheter ça après. Interfact. Ok, donc c'est un peu starting. Il faut que je commence avec ça normalement. Ensuite, corps. Ok, donc on va peut-être acheter ça. Non, je peux pas. On va dire un petit souris là. Parce que... Voilà, je sais pas du tout comment ça marche. En face, ils ont un panda là, j'ai l'impression. C'est quoi? Ah non, ok. Bon, voilà, c'est un peu. Ok, donc elle se fait aussi autant défoncer que moi. On va me faire un petit SS, je sais pas si ça se dit aussi là-dedans. Purchase, ouais, je sais ce que je vais faire. Allez, on va se choper de last hit là. Ok. Ouais, j'ai eu un last hit. Mettons ça par exemple, on va juste essayer. Ok, ça fait ça. Ok, donc ça ressemble à. Bon, c'est un AD carry à voir. Hein. Qui peut dash. Hop. Ah, je suis pas encore assez doué. Voilà, hop, avec son petit colis. Ok, on dirait un peu H avec ce truc. Donc pour ceux qui. Moi je peux. Ok. Donc là, c'est bien fait. Après, vous pouvez. Il y a aussi. Ils font des votes pour. Savoir quel champion pourrait être ajouté par la suite par rapport à ce que vous demandez. Donc n'hésitez pas hein, si vous aimez ça apprécie ce jeu. Ok, j'aimerais bien tirer là. Ok, je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Donc est-ce qu'on peut back? Alors pourquoi ça ne marchait pas? Donc déjà un peu back. Ça a pas marché, j'ai pas compris pourquoi. Donc là, on va pouvoir
un peu plus de stuff. Si on a un peu plus de thunes, on a toujours pas assez. Donc on va acheter ça. Okay, je sais pas du tout ça, j'ai pas la motive de regarder. Donc on a un petit Batman qui nous fait du 2-1, moi je fais du 0-1, ok, et en face il y a juste... Ok, ils ont la même que moi en fait. Ouais, c'est lui, donc je l'achète. Moi comme moi. Wow, c'est quoi ce truc? D'accord. Je ne sais pas du tout, lui, c'est la petite jungle, ok, donc c'est un truc un peu mécanique. Donc voilà, je vais quand même essayer de faire un kill. Après, voilà. Je pense couper au montage un peu bah, la partie importante, ou même pas en fait. Pour juste vous montrer un peu le début du jeu. Ensuite, je vous laisserai découvrir par vous-même. Et si vous voulez, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo en entière sur une partie complète. Ok, donc déjà, il faudrait que je comprenne comment. Ok, donc là, il faut que je relâche. Je comprends pas. Ok, donc en fait, il faut que je reste appuyé. Il faut rester appuyé. On va mettre un petit T par là. Je sais pas. Bon, okay. Donc en fait, il faut rester appuyé dès qu'on lâche ça. Voilà, j'ai compris. Allez, prends-toi ça. Ok, donc l'attaque speed est un peu tout petit peu nulle. Hein. Aïe. Ok, c'est vraiment bizarre pour utiliser les sorts. Et on n'a pas une petite... je sais pas là, deux. Ok, ça a l'air d'être une potion ça. Ok, moi je marche dans le vide, hein, normal. Ah non, en fait, non, je vole. Ok, donc j'ai pas beaucoup de thunes. Bon, c'est pas un truc. Wow. Lui, il est fou lui. On va faire un petit là. Oups. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, il est... Il va bientôt mourir là. Chopez-le. Donc voilà, vous voyez un peu comment, bah, comment le jeu il est. C'est pas mal encore. Bon, il faut juste comprendre le jeu. C'est un peu comme sur tous les jeux. Enfin, les jeux, les MOBA, c'est un peu compliqué à comprendre. Et je pense qu'on va se retrouver bah, juste après pour du Dota 2, donc le jeu normalement le plus joué en ce moment sur Terre, toutes consoles confondues, que ce soit donc Xbox, Wii, PC et PS3 ou PS4. Hop, on va essayer de. C'est un peu bizarre, on peut se déplacer. Hop. Wow, c'est son ulti ça? Non, c'est pas son ulti, c'est parce que c'est mon ulti. Ok, donc je sais pas. Tiens, ça ne fait rien du tout. Tiens, on va essayer de lui mettre ça. Ok, bon voilà, bon, je suis désolé, hein, je suis un peu décevant, mais c'est ma deuxième partie, je comprends pas encore tous les mécanismes, tous les trucs. Donc, je vous laisserai découvrir par vous-même, mais si vraiment vous... Enfin, dites-moi dans les commentaires, donc si vous voulez une autre petite partie de ce jeu. Une partie complète, dès que je serai un peu plus amélioré. Et sinon, bah, on se retrouve sur Dota 2 tout de suite après. Allez, à toutes. Et nous revoilà donc sur du Dota 2. Et on commence une petite partie tranquillement. Donc, on va juste s'acheter quelques petits trucs. Donc, voilà. Tac. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Hein. Voilà. On va aller au bot comme ça. Pourquoi mon écran ne veut pas se bouger? Ok, donc je pense avoir compris ce qu'il faut faire. On va se mettre en vidéo plein écran. Appliquer. Voilà. Ah voilà, ça ira beaucoup mieux. Comme ceci, donc je joue avec Blister Back. Donc c'est une de mes premières parties également donc sur ce MOBA qui est le jeu donc le plus joué au monde. Donc lui c'est aussi ok, il est aussi niveau 1, ok donc c'est aussi des niveaux comme moi. Ok, elle ressemble bien à H. Donc voilà, c'est notre deuxième MOBA de notre multigaming.
Le troisième sera donc du League of Legends, le jeu que je connais le mieux. Oh là là, les dégâts que je me suis pris, c'est un truc de fou. Waouh. Il me faut une potion là. Waouh. Ok, je mets 0 dégâts, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est un champion que j'ai. Oula. Oula, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre. J'ai eu un kill normalement. Je suis pas sûr. Donc, là, c'est des gars un peu de mon niveau. Donc, il devait être niveau. Bah, niveau 1 aussi, niveau 2 peut-être. Donc, c'est le jeu donc le plus joué au monde. Comment je back? On va prendre ça. Oups, ok, j'étais niveau 3 déjà. Back, j'aimerais back, s'il vous plaît. Pas back. Ok, bon, bah, on va retourner jusqu'à là-bas. À pied. Donc, c'est le même principe, c'est un tout petit peu différent. C'est comme Infinite Crisis. Il y a également des shops, des personnages, des sorts, etc. Donc, c'est comme d'habitude, il est un tout petit peu différent. Il est plus. Ouais, des bêtes un peu plus. Ouais, je sais pas comment dire, elles sont. Ouais, c'est un peu plus réel quand même, enfin, je sais pas, c'est un peu différent quand même comparé à LoL, hein. Ça je vous le cache pas. Ah oui, il faudrait que je m'achète ça. Je vais dire que c'est par défaut. Ok. Ok, donc j'ai un coursier. Non, toi tu vas rester là. Voilà, sans garde. Et on met pas le coursier, s'il te plaît. Comment je me reprends, moi? All Ah. structures are fortified. Bon, j'aimerais quitter le coursier, moi. S'il vous plaît. Comment je quitte ce truc-là? Quitter ça. Bon, Et je veux rien t'acheter. Ah, c'est quoi ce pin? Allez, voilà. Bah. Mais non, mais vas-y, je sais pas moi. Voilà. Ah, bah voilà. Il faut juste cliquer. Voilà, excusez-moi pour ce petit problème. Donc là, on va de nouveau faire juste le début de partie. Par contre, on n'a pas la touche tab. Donc c'est pas super. Ouais. Donc je connais pas encore tout, donc je découvre un peu ce jeu en tant que vous. Et bah, en ayant l'habitude de LoL, bah, c'est quand même un jeu complètement différent, je trouve, quand même. Dans un sens où tous les sorts, etc. Un peu la méthode de jouer est complètement différente. Allez, un petit niveau encore, on va se prendre le premier, hop. Voilà, on se calme direct. Allez, lui va le tuer. J'ai eu un kill normalement. Même pas. Mais par contre, j'ai eu un kill, voilà. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que je faisais très mal et qu'il faisait n'importe quoi, les gars. C'est pas grave. Donc, l'élastique étant toujours là. On essaye. Bon, je sais pas, je fais pas non plus. J'ai gagné un niveau. Je vais quand même essayer de passer. On va prendre ça. Ça fait bien mal quand même. On va acheter peut-être un truc au shop. Voilà, on va demander au coursier. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas dû me demander au coursier. Donc, normalement, si on. Ouais, je sais plus. Oh, il y a une petite touche pour récupérer de la vie sur les arbres. Donc, je fais pas de pub, hein. C'est juste la découverte de mode. Je vous oblige pas à jouer à Dota, à LoL ou à Infinite Gratis. C'est juste la découverte. Moi, personnellement, je. Ouh là, ouh là là là. Ouh, aïe 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 aïe. Est-ce que je peux back? Non, je ne peux pas back. Bon, bah, on va retourner là-bas. Assez rapidement. Et ensuite, bah, on aura fait bientôt notre dupe première petite minute. Bah, deux petits gameplays sur du Dota 2. Donc, le jeu le plus joué au monde. Avec League of Legends. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi.
Bon, qu'est-ce combien de thunes? On a 110, ça c'est quoi? Shop secrète, ok, donc c'est une shop secrète. Donc on va récupérer la vie. Bon, j'ai les sorts qui sont en français, mais les objets en anglais, donc bon, c'est pas un problème parce que je comprends, mais voilà, quand même. Je vais quand même m'équiper de tout ça. Ah ouais, j'avais la potion, si, j'utilise. Ça fait quoi ça? Pas assez de charge, ok. Hop. On va essayer d'aller faire un petit kill. Ok, les gars, ils sont low life là. Ils me prennent cher. Par contre, niveau sort, etc., flag, etc., c'est pas comme. Spécialement comme Infinite Crisis. Donc, aussi, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un peu une différence de ces trois MOBA que je connais pour l'instant. Un peu, vraiment leur différence de gameplay, etc., comment ça marche plus en profondeur. Et toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Et par contre, le cooldown est juste énorme. Et la distance que j'ai aussi. Attends, mais elle me vole tous mes kills lui ou quoi? C'est un truc de fou. Peut-être c'est lui qui fait trop de dégâts. Ça va peut-être être ça. Eh oui, j'ai eu un kill. Haha. C'est. C'est. Voilà. Regardez. Donc ça niveau portée aussi c'est un peu énorme. Aïe 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 aïe, laissez-moi tranquille. Ah mais laissez-moi. Donc voilà, bah j'ai fait déjà deux kills. On va peut-être un peu visiter la jungle. C'est pas, c'est là c'est vraiment juste pour une petite découverte. Hein. Si vraiment vous voulez des un peu une explication comme ça pour par rapport au jeu en lui-même en entier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou si vous voulez une petite présentation des trois modes de jeu, enfin des trois MOBA pardon, que je connais. Et bah, j'essaierai de faire de mon mieux. Mais là c'est vraiment juste pour vous montrer trois MOBA dans un multigaming. Donc vraiment comme ça se dit, multigaming, différents jeux dans une même vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite pour une petite ARAM, donc un petit bout d'ARAM sur League of Legends. Allez, à toutes. Et voilà, on se retrouve pour notre troisième petit gameplay pour notre troisième petit gaming. Et on se retrouve donc sur League of Legends. Un MOBA également, donc c'est un multigaming sur les MOBA. Donc on a déjà fait, je vous rappelle si vous n'avez pas encore vu le début de la vidéo, ce qui m'étonnerait, donc du Dota et du Infinite Crisis. Des jeux que je découvrais plus ou moins en même temps que vous. Mais là, League of Legends, je le connais un peu mieux, donc je joue en ARAM, donc c'est un mode un peu aléatoire par rapport au champion. Et je suis tombé sur Zed, donc c'est un assassin qui fait quand même pas mal de dégâts. En ARAM, c'est pas non plus le top parce qu'on peut pas avoir spécialement beaucoup d'argent et. On ne peut pas avoir beaucoup d'argent et de. Et donc de stuff, etc. Donc les dégâts, c'est un peu plus dur. Et c'est tout sur la même ligne. Donc c'est juste pour un peu différencier un peu les modes de jeu sur lesquels je fais. Puisque les deux premiers étaient sur du classique, donc avec 3 lanes, etc. Donc là, ça change un peu. C'est tout sur la même ligne. Et le but, c'est quand même d'arriver au bout, de détruire les deux petites toiles qui sont là. Et le Nexus qui est là-bas. Donc une petite astuce pour ceux qui connaissent pas. Maintenant, en ARAM, on appuie ici sur le petit 4. C'est celle qui nourrit. Dès qu'on est proche d'une petite bête comme ça le nourrit et ça le fait grossir. Et il peut aller jusqu'à exploser. Allez, on va mettre une petite tourelle. Ah non, ça n'a pas servi à grand chose. Ok, j'ai fait un peu trop tard. J'étais un peu en train de me concentrer à vous parler. Donc voilà, ça va nous être un petit bout de gameplay. J'espère que les deux premiers vous ont plu, même si c'était pas le gameplay le plus extraordinaire que j'ai pu se donner sur, sur un jeu quoi. C'était vraiment même un peu pitoyable, un peu abusé. Ok, donc cette arena est en train de tout détruire, mais non. Eh mais c'est quoi ces dégâts là? Ok, je me prie un tout petit peu trop cher au niveau des dégâts là. Oh, j'ai récupéré un peu de vie. En descendant de farm un tout petit peu puisque j'ai de
la régénération de vie. Oula, oula. Oula. C'était lui. De toute façon, j'ai 0 kill, j'ai plus des assists parce que Katarina explose complètement. Elle prend vraiment tout le kill, donc elle a vraiment 7 kills déjà, donc elle est bien feed. Ce qui est pas mal. Donc en face, on a un Shoga qui est pas spécialement utile, puisqu'il ne peut pas trop devenir un tank, puisqu'il va souvent mourir. Et on a aussi un Azus, puisqu'il peut pas farmer avec sa buveuse, n'est pas non plus très utile. Mais bon. On fait avec. Prends-toi ça. Allez, approche-toi, petit Shogat. Encore un peu. Ah non, trop tard. Il faudra un tout petit peu de vie là. On va reprendre une autre potion. Voilà, pas ça, non, pas. Ok, faut que je me dépêche de les suivre. Ok. Comment je suis mort, je ne sais pas. On va prendre une petite soif de sang épée sanglante parce que c'est en arabe, donc c'est un peu différent. Donc vraiment, dites-moi aussi si vous voulez vraiment que je fasse un récapitulatif ou une présentation des différences entre les trois mobas que j'ai fait. Et je pense par la suite plutôt vous proposer des multi gaming comme tu l'as, donc sur des styles de jeu, donc MMO, RPG, MMO, FPS, etc. Donc j'en ai plus, j'ai un peu de tous les types de jeux avec chaque fois plus ou moins un level plus ou moins accessible sur certains jeux, et au moins comme ça je vous fais découvrir certains jeux, et en même temps je les découvre pour certains, enfin pour certains jeux je les découvrirai aussi en même temps que vous, donc ça peut être aussi aussi intéressant à faire, et ça serait plus un multigaming par rapport aux différents jeux et pas non plus n'importe quoi comme jeu, enfin pas un peu dans n'importe quel sens. Mais il fait bien mal. Ah ouais, le Shaco est quand même. Ah non, trop loin. Oups, il a failli faire peur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait un esquive sur ma touche W. On va peut-être essayer d'aller sur le prime. Je sais que moi je suis pas spécialement plus utile de la partie, mais bon. On met sur chaque homme on est ici. Ok, alors lui il met beaucoup mais vraiment beaucoup trop cher pour le coup. Report me. Ok, on va te report si tu veux. Non, je fais jamais ça, ça sert à rien. Même de report une personne. Oula. La baisse de FPS d'un coup en ARAM, c'est aussi un des problèmes de la RAM, c'est les baisses de FPS assez importantes. Donc le Shaco, qu'est-ce qu'il prend comme stuff? Ok, on va peut-être acheter un tout petit peu de résist magique. Donc là c'est des lags un peu importants. Ok, j'ai du PS2. Donc je reprends juste... Voilà, donc j'espère que ça va un peu moins laguer pour le coup pour la suite de la vidéo. Donc je retrouve juste après, j'ai juste dû faire un genre de... J'ai un peu fait n'importe quoi là. Ok, ça lui a pas pris les dégâts. Report Blast, Dragon Ball Mega Lag. Ok, donc j'étais pas le seul à avoir des lags à voir. Ah, j'avais presque pu l'avoir là. Et prends. Oh là là, j'ai un peu une team tatardée. Bah, je peux rien faire en fait. Non, mais sérieusement, c'est un peu. Heureusement qu'il y a la Katarina, moi je dis. Ok, le lag au milieu du jeu. Les secrets que l'on n'utilise pas. Ok, c'est de la RAM. Voilà, ça va peut-être un peu mieux. Attends, donc voilà, je vais réessayer encore un petit coup de pas le laguer. On va se mettre ça là, hop. Et qui ont passé, s'ils passent, je les choque. Voilà, je fais pas très mal, hein, vraiment pas très mal. Pourtant, j'ai 221 comme d'AD.
Mais par contre en face ils font extrêmement mal. Regardez-moi ce critique qui vient de me mettre là. Hop, hop, on prend un peu de vie. Oula, oula, on se calme, on se calme, on se calme. Donc je suis pas, c'est pas là, spécialement la team, la partie la plus mal. Oh là là. La hache aussi, elle est bien, bien fine maintenant, là, parce que le Nasus a bien morflé dedans. Hop, on a des gars un peu plus mal. Enfin, elle est morte. L'allié a été tué. Pour un tout petit peu de vie, là j'ai mon. Ok. Là, pour le coup, j'ai eu mon air ex-drinker qui m'a sauvé la vie juste avant. De se prendre la vie avant de repartir au combat. La vérité, si vous entendez tout ça là. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, mon disque dur n'avait plus de place, donc ça m'a coupé bien l'enregistrement. Mais c'est pas grave, donc ça relague encore un peu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce multi-gaming. J'espère qu'il aura plu. C'est pas non plus... J'ai essayé de le préparer un peu mieux, même si c'était pas non plus le top. Bon, là, je suis mort alors que j'ai lagué complètement, mais c'est pas grave. Voilà, donc sur cette mort un peu méchante et. Sans raison valable, on va se quitter. Gaming, donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vais essayer de faire ça un peu mieux, de peut-être mieux enregistrer aussi, peut-être de faire des gameplays un peu plus intéressants aussi. Là, c'était vraiment pour essayer de vous faire découvrir en même temps que moi et de vous faire des gameplays beaucoup plus poussés, et plus intéressants et plus actifs. Ce que je vous ai proposé dans celui-là, bon, ça allait encore, c'est pas le pire, mais. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous a plu en tout cas. Et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde.